Madame la conseillère d'État Sheran, Monsieur le vice-président du Grand Conseil, Monsieur le consul général, Monsieur le maire de la ville de Genève. Merci. Vous aurez remarqué que j'ai pris la précaution de mettre un point d'interrogation, donc je ne suis pas sûr que je vais vous donner une réponse. Je vais probablement, pour partie de cet exposé, vous détailler la question. Du reste, il y a une partie des pays pour lesquels on pourrait barrer Suisse et en mettre d'autres, parce que vous allez voir que nous sommes dans un contexte qui englobe un certain nombre de pays. Alors voilà, d'abord j'ai une bonne nouvelle. Vous savez qu'actuellement, un certain nombre de pays ont décidé d'aller vers la neutralité carbone et le recours à 100% d'énergie renouvelable. Alors ma très bonne nouvelle, c'est que ça ne pose aucun problème de faire ça, puisque là vous voyez une image d'un monde où nous étions neutres en carbone et 100% énergie renouvelable. Donc ça ne pose absolument aucun problème d'être 100%. Et en fait, la question qu'il faut se poser, vous savez, c'est beaucoup de gens ont dit ça, je crois que Churchill l'a dit entre autres personnes, que le plus loin vous regardez dans le passé, le mieux vous comprenez l'avenir. Et donc là, la question, c'est si ce monde était si merveilleux que ça, 100% renouvelable et neutre en carbone, pourquoi est-ce qu'on s'est enquiquiné à le carboner alors que maintenant, il faudrait le décarboner ? Il faut quand même être un peu pervers pour commencer par faire quelque chose qui est l'exact inverse de ce que vous êtes censé faire. Donc là, vous voyez ce monde 100% renouvelable. Vous avez des transports terrestres parfaitement renouvelables, hein, les chevaux parfaitement renouvelés dans les boucheries chevalines à l'époque du reste, mangeant de l'herbe renouvelable. Vous avez des transports en bois renouvelables sur une rivière renouvelable, faisant tourner des moulins à eau renouvelables. Vous avez beaucoup de moulins encore, de vestiges de vieux moulins encore en Suisse comme en France. Il y avait quelque part sur ces collines un moulin utilisant du vent renouvelable, on utilisait du bois renouvelable, etc. Enfin, tout était renouvelable dans le meilleur des mondes. Donc la bonne question, c'est pourquoi est-ce qu'on en est sorti ? Car nous en sommes sortis. Vous avez ici une courbe qui vous donne, pour le monde dans son ensemble, alors je n'ai pas des statistiques sur série aussi longues pour la Suisse, malheureusement, ni pour la France, mais enfin, pour le monde, ça ira bien pour le moment, qui vous donne la part des énergies renouvelables en vert, la part des énergies fossiles en moutarde, et puis tout en bas, là, rien que pour énerver le maire, la part de l'énergie nucléaire. Voilà, mais il a raison, c'est pas, vu le truc que ça représente en bas à droite, là, ce n'est pas la peine de s'écharper là-dessus pour le moment, dans le monde. Et ce que vous voyez, c'est que le siècle et demi qui vient de s'écouler, c'est manifestement un basculement massif en défaveur des énergies renouvelables et en faveur des énergies fossiles. Donc la bonne question, encore une fois, c'est est-ce que nous étions tous des crétins patentés et on a fait ça juste pour le plaisir d'être malfaisants ou est-ce qu'il y avait une très bonne raison à ce que nous ayons fait ça ? Alors en fait, il y a plusieurs très bonnes raisons à ce que nous ayons fait ça et qui vont peut-être faire écho aux dernières recherches qui viennent de nous être présentées, qui est que les hommes et les femmes sont certes des esprits supérieurs, dignes de recevoir des prix dans des universités prestigieuses de temps en temps, mais nous sommes aussi des animaux gouvernés par nos sens, et nos sens nous rendent en particulier paresseux, accumulatifs, et ayant envie de monter dans l'échelle sociale, comme énormément d'autres mammifères. Alors, énormément de mammifères sont paresseux. Pourquoi est-ce qu'ils sont paresseux ? Ça veut dire qu'ils vont chercher à maximiser ou à économiser le plus longtemps possible leur énergie corporelle, des fois que celle-ci soit nécessaire pour échapper à un prédateur ou attraper une proie. Donc en fait, nous sommes biologiquement, quelque part, conditionnés pour essayer toujours de minimiser les efforts que nous allons faire pour obtenir, les efforts corporels que nous allons faire pour obtenir un résultat donné. Nous sommes accumulatifs. Depuis que nous avons sédentarisé les civilisations humaines, il y a 10 000 ans, eh bien, nous avons également tendance à faire des réserves d'énergie extracorporelles. Vous connaissez tous la fable de la cigale et de la fourmi. Et dans cette affaire, manifestement, c'est la fourmi qui a le beau rôle, c'est-à-dire celle qui accumule, parce que, comme ça, on ne sait jamais, hein, ça permet de faire face aux mauvais jours. Et enfin, nous sommes des animaux sociaux. Et comme tous les animaux sociaux, nous avons besoin de codes au sein des groupes auxquels nous appartenons. Et une des choses que nous aimons faire, parce que nous sommes des animaux sociaux, c'est d'essayer d'avoir la plus haute place possible dans la hiérarchie. Du reste, si on n'essayait pas, il n'y aurait pas d'étudiants à l'université de Genève. Voilà, parce que c'est la première chose qui motive les gens qui rentrent ici, c'est de monter dans la hiérarchie sociale. C'est bien la preuve que c'est une motivation puissante. Eh bien, c'est à cause de ces traits de comportement biologique que nous avons basculé dans les énergies fossiles qui permettent de faire avec considérablement moins d'efforts ce que nous devions faire avant, avec beaucoup de sueur et beaucoup d'efforts, du temps des énergies renouvelables. Alors, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si ici, il y a qui que ce soit qui est déjà monté de Sierre jusqu'en haut du Weisshorn dans la journée. S'il y a une personne qui a déjà fait ça, je veux bien voir la main se lever. Pas sûr qu'il y en ait... Non, ouais. Voilà, donc... Ah, vous avez déjà fait ça dans la journée ? Bravo, je m'incline.
Donc, imaginons que vous fassiez 4000 mètres de dénivelé dans la journée en montant le poids de votre propre corps plus un petit sac. Quand vous allez faire ça, en général avec vos jambes, parce que si vous avez fait ça en hélicoptère, ça ne vaut pas, eh bien, vos jambes ont fourni une énergie mécanique de l'ordre de 1 kWh. Pour ceux à qui ça rappelle quelque chose, c'est E égale MGH, c'est-à-dire que vous avez votre masse qui lutte contre le champ gravitationnel en ayant monté 4000 mètres. Vous pourrez faire le calcul, vous verrez, ça fait 1 kWh. Imaginons que vous fassiez ça en 10 heures. Je ne sais pas si vous l'avez fait en 10 heures ou un peu plus. Un peu plus. Bon, alors vous n'êtes même pas arrivé aux 100 watts. Mais si vous faites ça en 10 heures, ça veut dire... Non, mais en fait, vous avez fourni beaucoup plus d'un kilowattheure parce que d'abord, il faut marcher dans la neige et puis vous avez le centre de gravité qui ne fait pas juste une... Enfin, bon, bref. Donc, mais si vous faites ça à vélo, on va dire, sans absolument aucune bosse, etc., ça va vous faire à peu près 100 watts de puissance moyenne sur une journée d'effort de cette nature. Donc, vous voyez, un être humain au travail, un être humain est parfaitement renouvelable, est capable de dégager une puissance d'à peu près 100 watts avec ses jambes sur une journée de dur labeur. Imaginons que, là, vous soyez dans les travaux publics et non pas au sommet du Weisshorn, et que vous décaissiez, alors là, donc on est revenu à Genève et dans la voirie, et qu'on décaisse 6 mètres cubes, c'est-à-dire 15 tonnes de terre dans la journée, à ce moment, l'effort mécanique que vous allez fournir se monte à 0,05 kWh, oui, c'est vraiment pas beaucoup, et si vous faites cet effort sur 5 heures, vos bras, et un peu vos muscles de votre dos du reste, auront fourni une puissance moyenne de l'ordre de 10 watts. Donc retenez à partir de ces exemples qu'un être humain au travail de force, il est capable de développer sur quelques heures une puissance de 10 à 100 watts, et si vous regardez la quantité d'énergie mécanique qu'il est capable de fournir, non pas sur une journée, mais sur une année, parce qu'une fois que vous avez fait le Weisshorn dans la journée, en général, vous ne recommencez pas le lendemain. Non, on est d'accord. Vous allez être capable de fournir avec votre corps une énergie mécanique qui se balade entre 10 et 100 kWh sur une année. Retenez ces deux ordres de grandeur. Maintenant, on va prendre un litre d'essence, qui coûte le prix scandaleusement élevé de 2 francs en Suisse, plus ou moins quelque chose, et en ce moment, le prix scandaleusement élevé de 2 euros en France, plus ou moins quelque chose. Dans un litre d'essence, vous avez à peu près 10 kWh d'énergie thermique en la faisant brûler. Et selon l'ingénieur qui aura fait la voiture, non, je plaisante, selon le régime moteur, vous aurez entre 2 et 4 kWh d'énergie mécanique en sortie du moteur. D'accord ? Ce qui veut dire que dans un litre d'essence, dont vous allez voir qu'un Français ou un Suisse consomme un certain nombre de litres dans l'année, eh bien vous avez la même capacité à transformer l'environnement que dans 10 à 100 jours de travail de force d'un être humain. Vous avez là la raison pour laquelle nous sommes passés de la force corporelle et des énergies renouvelables qui étaient des supplétifs pas extrêmement puissants aux machines mues à l'énergie fossile qui permettent de faire le même travail dans des temps considérablement plus courts et avec des puissances à disposition considérablement plus importantes. Si on parle argent et que je paye, alors là en l'occurrence c'est en France, mon travailleur au salaire minimum admissible dans le pays, je vais payer mon kilowattheure d'énergie mécanique, c'est-à-dire ma capacité à transformer l'environnement, de 200 à 2000 euros, quand la machine, alors c'était à 1,5 euros par litre, à 2 ça fait 0,5, mais peu importe, me fournit le même service pour un coût marginal de quelques dizaines de centimes. Dit autrement, en passant de l'énergie corporelle aux machines mues par l'énergie fossile, je suis capable de diviser le coût d'une transformation unitaire de l'environnement par quelques centaines à quelques milliers. Ça a fait le monde occidental moderne et ça a fait la Suisse moderne. La Suisse moderne sans le pétrole n'existerait pas. Pas plus que la France moderne, pas plus que l'Italie moderne, pas plus que le Vietnam d'aujourd'hui. Ça n'existerait pas et il n'y aurait pas de prix là-dessus. Vous feriez des économies. Imaginons maintenant que je prenne un esclave. C'est tout à fait immoral. Eh bien, l'esclave, il va quand même falloir dépenser de l'argent pour aller le chercher ou l'acheter à quelqu'un qui a fait ça pour vous, l'empêcher de vous zigouiller, comme dans Django, le nourrir, le vêtir, etc. Eh bien, vous vous rendez compte que si vous additionnez tous ces coûts, encore une fois, c'est parfaitement immoral, il n'empêche, vous allez quand même arriver à un coût économique de la possession d'un esclave qui est 10 à 100 fois supérieur à celui d'une machine qui n'a strictement rien contre sa condition d'esclave et qui, jusqu'à une période très récente, n'était absolument pas vue comme une détention immorale. Ça commence à changer un peu maintenant avec les gros 4x4, mais jusqu'à récemment, ce n'était pas vu comme une détention immorale. Vous avez donc là l'explication pour laquelle, en Suisse comme ailleurs, nous sommes passés des énergies renouvelables, enfin, de l'énergie corporelle aux énergies fossiles, mais j'aurais pu vous faire le même tableau avec les énergies renouvelables. De telle sorte qu'aujourd'hui, la totalité de nos auxiliaires mécaniques sont devenus surpuissants comparés à notre propre corps.
Donc je le redis, la puissance moyenne des jambes de votre mère, 100 watts, c'est pas pour ça qu'il faut le réélire, mais quand même, ça en impose. Maintenant, on va prendre un mixeur à soupe. Vous avez déjà mixé de la soupe. Après être descendu du Weisshorn, vous avez mixé de la soupe, nécessairement. Eh bien, la puissance du premier mixeur à soupe venu, un petit truc à 50 francs, que vous achetez, etc., 4 fois votre mère. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur le mixeur à soupe, vous avez 4 mères qui sortent du mixeur à soupe, qui se mettent à pédaler comme des forcenés, 4 clones. Et puis, quand vous réappuyez sur le bouton marche arrêt, les clones re-rentrent, voilà, les élections sont terminées, les clones re-rentrent dans le mixeur à soupe, et c'est terminé. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce tout petit truc ridicule qui tient dans une main développe en fait la puissance de 4 organismes bien entraînés en train de pédaler au moment où vous allez mixer la soupe. Après la soupe et ses croûtons, vous avez mis des miettes partout, vous passez l'aspirateur. Là, vous avez 10 mères qui sortent de l'aspirateur quand vous appuyez sur le bouton marche-arrêt pour faire fonctionner le ventilateur de l'aspirateur. 50 mères sont nécessaires pour faire fonctionner un ascenseur. Alors là, c'est plus le maire, puisqu'il s'agit de paires de bras. Mais un engin de travaux publics, il y en a quelques-uns en Suisse, me semble-t-il, lui, quand l'ouvrier va monter dans la cabine de pilotage, il va multiplier la puissance de ses bras par à peu près 10 000 au moment où l'appel mécanique se met en action. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on peut terrasser un terrain pour y construire un mayen, un chalet ou une maison pavillonnaire en une journée, alors qu'avant, avec des pelles et des pioches, il fallait des semaines. Un camion, il y a quelques-uns en Suisse aussi, quand le conducteur monte dans la cabine de son camion, il démultiplie la puissance de ses jambes par 4000. Donc là, on est de nouveau chez le maire. 4000 mères pour faire avancer un camion. Alors, je n'ai pas les effectifs de camions de la Suisse, vous me pardonnerez, mais j'ai ceux de la France. En France, vous avez 600 000 camions. Ça veut dire que si on voulait remplacer les moteurs de camions par des gens attelés devant les camions pour faire avancer les camions, il faudrait que pour la seule flotte de camions en France, je mette au travail la moitié de la population adulte mondiale. Vous pouvez faire le calcul, hein, 600 000 fois 4 000, ça fait 2,4 milliards. C'est-à-dire que vous auriez besoin de la moitié de la population adulte mondiale, rien que pour fournir la même puissance mécanique que les camions que nous avons en France. Et même si le transit est interdit dans ce pays, il y a quand même quelques camions qui y circulent, sans quoi les magasins ne seraient pas approvisionnés et vous mourriez de faim, ce qui n'est pas très enviable. Prenons maintenant un laminoir. Alors, vous n'avez pas de laminoir en Suisse, sauf erreur de ma part. Pas de laminoir en Suisse, hein. Voilà. Vous avez quand même des objets en acier, donc ça veut dire que les laminoirs sont ailleurs, en dehors de Suisse, on y viendra tout à l'heure quand on parlera de l'empreinte carbone. En France, nous avons 2 laminoirs, peut-être qu'une partie de l'acier laminé en France, du reste vous en bénéficiez, sinon il vient d'ailleurs. Eh bien, chacun des laminoirs, si je devais le remplacer par des Français tapant, ou des Suisses, tiens, je vais prendre des Suisses, tapant sur des tôles toute la journée avec un marteau pour aplanir les tôles, eh bien, un seul des 2 laminoirs installés en France me mobiliserait la totalité de la population suisse. Donc il n'y aurait plus de chercheurs, il n'y aurait plus de gestionnaires de fondations, il n'y aurait plus de recteurs d'université, il n'y aurait plus de maires, il n'y aurait plus de conférenciers, enfin même si je suis français, il n'y aurait plus tout ça. On serait tous en train de taper sur des tôles toute la journée pour remplacer juste un des 2 laminoirs que nous avons en France et qui sert peut-être aussi la Suisse et sans lequel vous n'auriez pas de moyens de transport, pas de construction, pas d'électroménager, pas de siège, et j'en passe, et des meilleurs, et pas de braguettes. C'est quand même important. Donc là, vous avez une petite idée de la quantité, et vous n'auriez pas la mondialisation parce qu'il n'y aurait pas les porte-conteneurs et les vraquiers, j'y viendrai un peu plus tard. Donc là, vous avez une petite idée de quelques machines, il y a des milliards de machines sur Terre qui travaillent pour nous, des milliards. En fait, les machines que nous avons absolument partout sur Terre, qui sont en train de travailler pour nous, elles nous ont construit, même si nous ne nous en rendons pas compte, un costume de super-héros qui a considérablement démultiplié la puissance de nos propres muscles. Toutes ces machines fonctionnent essentiellement à l'énergie fossile, soit directement parce qu'elles sont alimentées par des moteurs à combustion interne ou des machines à vapeur, soit indirectement parce qu'elles sont alimentées par de l'électricité qui, aujourd'hui dans le monde, est à 60% faite avec des combustibles fossiles. Et en fait, si je regarde à l'instant où je vous parle la puissance de la totalité des machines qui sont en fonctionnement dans le monde, donc je prends en ce moment tous les camions qui circulent, tous les bateaux qui circulent, tous les laminoirs qui laminent de l'acier, tous les camions, toutes les grues qui sont en train de fonctionner, toutes les machines à filtration pour l'eau potable, toutes les machines à dérouler les grumes de bois, etc. Enfin bon, bref, toutes les machines qui fonctionnent. Bien évidemment, en supposant qu'elles ont leur bibine particulière qui s'appelle des énergies fossiles, eh bien, à tout instant, ces machines démultiplient la puissance musculaire de l'humanité par un facteur 200.
Ça revient à dire que dans un monde dans lequel il n'y aurait pas d'énergie fossile, pour obtenir la même capacité productive que celle que nous avons aujourd'hui, puisque ces machines travaillent à notre place, c'est elles qui font tourner l'économie, il faudrait passer la population humaine de 8 à 1600 milliards d'individus. Alors déjà qu'à 8, on a quelques petits problèmes de place, bien évidemment à 1600, voilà. Une manière inverse de dire ça, c'est que si ces machines n'existaient pas, le PIB mondial serait divisé par 200. Loups. Que devient l'université de Genève ? Que devient Genève ? Que deviennent les avocats fiscalistes de Genève et les banques offshore ? Non, j'ai rien dit. Dans un monde dans lequel le PIB est divisé par 200. Bien évidemment, ça devient rien du tout. Du reste, les conférenciers et les consultants carbone ne deviennent rien du tout non plus. Hein. Donc ici, vous voyez, et une troisième manière de dire la même chose, c'est que dans un monde sans machines, il faudrait 200 esclaves à un terrien ordinaire pour vivre comme il vit aujourd'hui. Alors c'est 200 pour un terrien ordinaire, c'est 600 pour un Français ordinaire, et c'est malheureusement 800 pour un Suisse ordinaire. Parce que vous êtes plus riche. Donc vous allez consommer plus. On le verra tout à l'heure. C'est pas très écolo. Ici, vous avez la conclusion logique, ou la conséquence logique plus exactement, de cette addiction aux combustibles fossiles que nous avons développée, parce que, nous sommes paresseux, accumulatifs et attachés aux objets de statut. Ici, vous voyez donc la quantité totale d'énergie mobilisée par l'humanité, non, en fait, par les machines domestiquées par l'humanité, depuis un siècle et demi. Ce que vous voyez, c'est qu'à l'échelle mondiale, toutes les énergies se sont empilées les unes sur les autres, le charbon est venu par-dessus le bois, on n'a jamais consommé autant de charbon dans le monde que cette année, le pétrole est venu par-dessus le charbon et on est proche du maximum, on n'y est plus, mais on est proche du maximum, le gaz est venu par-dessus le pétrole, etc., l'énergie nucléaire chère à votre mère est venue en haut, là, vous voyez, et les énergies renouvelables chères à votre mère aussi sont venues en haut, là, en rouge. Alors évidemment, on va beaucoup parler dans le journal des énergies nucléaires qui m'ont précédé dans la presse ici, du reste, et des énergies renouvelables, mais je vous rappelle que ce qu'il y a dans le journal n'engage que le journal et qu'il n'y a pas de lien entre la pagination dans le journal et l'importance réelle dans le monde. D'accord ? C'est deux processus indépendants l'un de l'autre. Ce qui est important, par exemple, c'est important tous les jours de respirer, le journal ne vous parle pas tous les jours de respirer. Donc les processus importants et les processus dans le journal, c'est deux ensembles qui peuvent être parfaitement disjoints. La réalité énergétique d'aujourd'hui, c'est que le monde est dopé à l'énergie fossile, il ne l'a jamais été autant, et en fait, 80% de l'approvisionnement mondial est fossile aujourd'hui, 80% de l'approvisionnement mondial était déjà fossile quand j'avais 5 ans. C'est qu'il était il y a très très longtemps. Donc vous voyez que, en fait, l'énergie fossile, elle est restée dominante depuis maintenant quasiment 60 ans dans le monde. Alors, on aurait pu, face à cette réalité physique, avoir une grille de lecture du monde qui nous permette de nous en rendre compte, ce qu'aujourd'hui, vous ne vous en rendez pas compte et vous allez comprendre pourquoi, et ce n'est pas ça qu'on a fait. Alors, pour ça, je vais vous citer deux personnages un peu anciens. Le premier, il s'appelle Charles Dupin, vous n'en avez jamais entendu parler, je ne pense pas, c'était un polytechnicien, donc vous auriez quand même dû en... Non, pardon. Il y a deux siècles, s'est posé la question suivante. Il s'est dit... La population anglaise et la population française sont à peu près de la même taille, et la production anglaise est le triple de celle de la France. Est-ce que j'arrive pas à comprendre ? Il va falloir que j'arrive à comprendre ça. Alors, il s'est dit, quand même, il y a d'autres forces vivantes qui concourent à la production. Il y a, par exemple, les chevaux de trait, d'accord, etc. Alors, il a amélioré un peu son calcul, et il a constaté que si on rajoutait ce qu'on appelle les autres forces vivantes, d'accord, et puis qu'on modulait la population, alors je suis désolé pour les dames qui sont dans cette salle, mais il avait compté les hommes pour un, les femmes pour un demi, et les enfants pour un quart. À l'époque, il n'y avait pas vraiment l'école, et les enfants étaient aux travaux des champs comme tout le monde. Donc, il fait son calcul, et puis il dit quand même, je tombe sur des ordres de grandeur à peu près voisins. Et puis, il se dit, en fait, ça ne suffit pas. Parce que je me rends compte qu'en Grande-Bretagne, comme en France, il y a également ce qu'il a appelé des forces inanimées qui participent à la production. Les moulins, à vent, à eau, les bateaux, il y avait déjà une marine marchande extrêmement importante, etc. Et surtout, vous voyez à la dernière ligne, les machines à vapeur qui avaient pris leur essor en Grande-Bretagne bien avant la France. Et à ce moment, Charles Dupin constate que si on rajoute les forces inanimées aux forces vives, on obtient... une force totale industrielle qui est de l'ordre du triple en Grande-Bretagne de ce qu'elle était en France, CQFD, ça explique pourquoi la production industrielle était trois fois plus importante. Pourquoi est-ce que la Chine a eu pendant un temps un PIB inférieur à celui de la France ?
Tout simplement parce que pendant un temps, la Chine a eu moins de machines que la France. Point. Puis quand la Chine s'est mise à avoir plein de machines, son PIB a dépassé celui de la France, celui de l'Allemagne, celui du Japon. Enfin, voilà, c'est une affaire de machines. À l'époque, on aurait pu avoir une comptabilité économique qui reposait sur les kilowattheures. Quand on aurait pu se dire, la production, c'est de la transformation, c'est de l'énergie, je parle sous le contrôle du physicien, et donc, on va tout compter en kilowattheures, ça va être ça notre unité de compte de la production. C'est pas du tout ça qu'on a fait. On a décidé de faire appel à des économistes qui nous ont dit, on va tout compter en monnaie. Et du coup, maintenant, on a une illusion d'optique, qui est que notre système productif, il est totalement détaché de la physique, et il ne dépend que de paramètres économiques. Si vous mettez dans votre système productif des gens qui travaillent et du capital, en sortie, le supermarché sera plein. C'est ça la théorie économique. Dans les fonctions de production, vous avez du capital, du travail. Et puis vous avez une espèce de miracle qui s'appelle le progrès technologique, on ne sait pas trop ce que ça recouvre, etc. En fait, le progrès technologique, c'est tout bêtement l'énergie et la physique. Si vous confiez à un ingénieur ou un physicien le soin de vous faire un diagramme de flux sur l'économie, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, les atomes qui sont dans les objets à droite, là, j'ai besoin de les avoir trouvés quelque part. Donc, j'ai besoin d'un truc qui s'appelle des ressources naturelles, qui sont tout simplement mes atomes arrangés autrement et que je vais transformer, parce que comme je suis paresseux, j'ai envie d'une cuillère pour manger ma soupe, c'est plus facile que de la laper, je vais passer du minerai de fer à la cuillère en prenant les atomes de fer qui sont dans le minerai et en changeant la façon dont je les arrange. Et puis c'est pareil pour vos cravates, vos vestes, les fauteuils sur lesquels vous êtes assis, l'excellente BD qu'on vous a montré tout à l'heure, le micro dans lequel je parle. Tout ça, c'est des atomes qu'on est allé prendre dans la nature, ça s'appelle des ressources naturelles, et on les a transformés pour faire autre chose. Même dans les services, vous avez besoin de ça. Vous ne faites pas un service d'enseignement aujourd'hui sans mettre les élèves à l'abri de la pluie l'hiver, ça s'appelle un bâtiment, sans mettre des fauteuils sur lesquels vous les asseyez, il a bien fallu les fabriquer, sans leur demander de venir à l'université le matin, pour ça il faut des moyens de transport, ou il faut des routes sur lesquelles les gens se déplacent. Enfin bref, même pour des services, vous avez besoin de ressources naturelles. Et il faut avoir une capacité de transformation qu'on appelle le travail. Et le travail, en fait, il est fait pour une petite partie par nous et pour une partie dominante par les machines, y compris pour les objets que vous allez pouvoir trouver en Suisse. Le capital n'est pas représenté sur ce diagramme parce qu'en fait, le capital, c'est juste une partie des ressources naturelles transformées que vous allez pouvoir réutiliser au fil du temps. Par exemple, cet immeuble est un objet de capital parce qu'il ne se détruit pas quand on s'en sert. Normalement, il ne s'autodétruit pas à la fin de cette conférence, enfin j'espère. Sinon, j'espère que vous avez une bonne police d'assurance. Mais normalement, c'est ça le capital, c'est des ressources naturelles transformées qui vont pouvoir servir longtemps, qui ne vont pas se détruire quand on s'en sert. Ça se fait exactement comme une paire de chaussettes ou une carotte. Alors dans ce diagramme, vous comprenez un certain nombre de choses. La première chose que vous comprenez, c'est que si on doit un jour avoir beaucoup moins d'énergie, on aura une capacité de transformation qui va beaucoup baisser, et donc la production va baisser. C'est très simple. Beaucoup moins d'énergie, c'est beaucoup moins de production, quelle que soit la nature de l'énergie. Et beaucoup moins de ressources, c'est beaucoup moins de production aussi. D'accord ? C'est très simple, c'est extrêmement simple. Et on ne se rend pas compte de la baisse ou de la hausse de la quantité physique d'énergie ou de ressources que nous avons, parce que nous avons décidé de tout regarder avec une convention humaine qui s'appelle de l'argent. L'argent, je vous le rappelle, ne paye que des individus. Le prix d'un objet, c'est juste un empilement de salaires et de rentes, en Suisse comme en France, qui ont pris place entre le moment où on est parti des ressources naturelles parfaitement gratuites et on est arrivé à la fin à l'objet manufacturé parfaitement payant. D'accord ? Entre les deux, vous n'avez que des revenus humains. Vous n'avez pas de dotation aux amortissements pour diminution des stocks de ressources naturelles. Vous n'avez pas de provision pour risque parce qu'on commence à causer des gros problèmes dans l'environnement. Tout ça n'existe pas. Alors pour le moment, ça marche très bien cette affaire-là. Vous avez ici un graphique qui vous donne pour le monde dans son ensemble, mais en fait, ça vaudrait également pour l'économie suisse. Pourquoi ? Parce que l'économie suisse est terriblement tributaire de la mondialisation. Si je coupais les frontières de la Suisse aujourd'hui et que j'empêchais tout import, tout export, le PIB suisse serait probablement divisé par 5 à 10. Vous mangeriez ce qui les vaches des alpages et ce qui pousse dans la plaine du lac de Neuchâtel, là, point barre, ça ne ferait pas beaucoup, hein, je peux vous assurer. Quand vous allez à la COP ou à Migros et que vous regardez Made in, hein, pour les produits agricoles, hein, c'est pas beaucoup Made in Switzerland, même si on fait de la pub pour l'œuf suisse à la télé.
Donc en fait, la Suisse, évidemment, s'il n'y avait pas la mondialisation, il n'y aurait pas les banques suisses, il n'y aurait pas les avocats fiscalistes suisses, il n'y aurait pas Nestlé, il n'y aurait pas Vitol, il n'y aurait pas Glencore, enfin tous ces trucs-là n'existeraient pas. D'accord ? Donc en fait, une Suisse démondialisée, c'est une Suisse dont le PIB est divisé par n'importe quoi entre 5 et 10. Donc en fait, le PIB mondial, c'est intéressant à avoir en tête, y compris pour l'économie suisse, parce que la Suisse en dépend au premier ordre. La France aussi, hein, mais la Suisse en dépend au premier ordre. Alors ce que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'entre 1965 et 2022, si on regarde pour chaque année quelle est la quantité d'énergie qui a été utilisée dans le monde, c'est-à-dire en fait le parc de machines en service, et de l'autre côté quel est le PIB mondial, ben vous avez une quasi-droite. Dit autrement, dis-moi combien d'énergie tu donnes à manger aux machines mondiales, je te dirai quelle est la production économique mondiale, et donc la quantité d'argent, puisque c'est une fraction du PIB, n'est-ce pas, que je peux consacrer aux universités. C'est aussi simple que ça. Donc l'université de Genève, comme les établissements d'enseignement supérieur français, hein, il n'y a pas de différence, dépend au premier ordre de cette courbe. Alors évidemment, vous allez me dire, non, c'est pas vrai, la Suisse, nous, on est moins carboné que les autres. Effectivement, vous êtes moins carboné que les autres. Là, vous avez une représentation de la quantité d'énergie qui est consommée par les machines situées en Suisse. Là, il s'agit de la consommation suisse, donc les machines situées en Suisse, depuis 1965. Alors tout en haut, en bleu, là, vous voyez l'hydroélectricité, et vous voyez que cet approvisionnement, il n'est pas constant, mais il est très faiblement croissant, ce qui veut dire qu'en fait, l'essentiel des sites équipables ont été équipés, hein, pour les grands barrages. En dessous, en jaune, vous avez le nucléaire. Allez, ça fait la troisième fois que je prononce le mot ce soir, pas sûr que je vais le prononcer une quatrième. En dessous, en vert, vous avez le gaz, et enfin, en bas, vous avez le pétrole qui alimente toutes les très modestes voitures, Mercedes, BMW, Audi, etc., qu'on peut voir sur les autoroutes suisses. Alors vous allez me dire, la Suisse, nous, on s'est dématérialisé, vous voyez, parce qu'on est passé par un maximum sur l'énergie consommée dans les années 2000, le PIB n'arrête pas d'augmenter. Alors oui, il n'arrête pas d'augmenter le PIB, parce que c'est un effet de la mondialisation. Qu'est-ce qui s'est passé en Suisse comme en France? Voilà le monde que nous avons créé. Nous avons créé un monde de machines qui, pour une bonne partie d'entre elles, et encore plus demain grâce à l'intelligence artificielle, travaillent toutes seules. D'accord? Donc il y a besoin de moins en moins de gens pour les faire bosser. Et nous avons créé une armée d'employés de bureau, dans laquelle il y a les consultants inutiles comme moi, les chercheurs utiles comme ceux qui sont dans cette salle, plus tous les employés de la ville de Genève, plus tous les gens qui travaillent dans l'assurance maladie, plus tous les gens qui travaillent dans les banques, plus tous les gens qui travaillent, je suis sûr qu'il y en a plus que des employés de la ville de Genève, plus tous les gens qui travaillent chez les avocats, plus tous les gens qui travaillent, enfin, voilà, plus les coiffeurs, plus les, etc. Donc, tous les gens des services. En fait, ce que nous avons créé, c'est une énorme métropolis autonome faite de machines, ou avec très peu de gens pour la faire avancer, et pour partie située à l'étranger, hein, maintenant, hors de Suisse, en Chine, en Inde, etc., sur laquelle nous avons bâti une armée d'employés de bureau qui sortent le soir avec le pli du pantalon ou le pli de la jupe impeccable et qui se disent, du coup, nous avons des emplois dématérialisés. Dématérialisés, rien du tout. En fait, dans les pays qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, vous n'avez pas d'armée d'employés de bureau. Si vous allez au Kenya, au Zimbabwe, vous n'avez pas d'armée d'employés de bureau. Ça n'existe pas. Les armées d'employés de bureau, c'est une création de l'énergie abondante en Suisse comme en France. Voilà. Donc, en fait, c'est ça qui s'est passé en Suisse comme en France. Nous avons collectivement créé une civilisation tertiaire riche parce qu'elle est assise sur des flux physiques qui prennent place ailleurs. Et en ce qui concerne la Suisse, il y en a beaucoup, beaucoup qui prennent place ailleurs. Alors là, c'est un peu taquin de ma part, c'est délibéré. Vous voyez qu'il y a encore 10 ans, alors maintenant vous êtes en train d'être battu par Singapour, mauvaise nouvelle, c'est peut-être la fin du secret bancaire, je ne sais pas, mais vous voyez qu'il y a encore 10 à 15 ans, vous aviez 40% des placements offshore, 40 à 50% des placements offshore dans le monde. Ça veut dire que tous les gens qui voulaient échapper à leur fisc local, crac, ils venaient ici. C'est grâce à ça qu'il y a des armées d'avocats, de fiscalistes et de banquiers qui se sont développés. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment. Ça, c'est la version, c'est la partie un peu taquine que je vous propose. Mais je vous l'ai dit par ailleurs, Vitol, qui est le premier négociant en carburant au monde, qui fait les bonnes années 300 milliards de francs de chiffre d'affaires, eh bien, les bateaux, les pétroliers et les puits de pétrole sont en dehors de Suisse. Par contre, le PIB correspondant, il est pour partie en Suisse. Je pourrais vous faire exactement la même chanson avec Glencore. Je pourrais vous faire exactement la même chanson avec tout un tas d'autres activités pour lesquelles, sans les flux physiques qui prennent place en dehors de Suisse,
La valeur ajoutée en Suisse n'existe pas. Sans les mines d'or qui ne sont pas en Suisse, il n'y a pas Rolex, etc., etc. Donc en fait, la Suisse, comme la France, hein, mais la Suisse encore plus quelque part que la France, elle a totalement décorrélé son PIB des flux physiques parce que l'essentiel des flux physiques qui permettent le PIB suisse prennent place en dehors de Suisse. Et c'est pour ça que quand on parlera d'émissions de gaz à effet de serre, je vous dirai que ce n'est pas celles qui prennent place en Suisse qui ont de l'importance, c'est celles qui prennent place en Suisse et en dehors de Suisse et qui vous permettent d'avoir, comme moi du reste, le niveau de vie que nous avons aujourd'hui. C'est ça qui est important. Alors la Suisse a également bénéficié de cette évolution qui s'appelle la mondialisation. Ici, vous avez, alors pour ceux qui ont des bons yeux, sinon vous demandez les jumelles de votre voisin, tout en bas, là, en pointillé sur cette courbe, vous avez le tonnage de la marine marchande à voile dans le monde. Alors vous l'avez à partir de 1900, vous voyez, ça doit faire 10 millions de tonnes, mais un peu avant, c'était quand même plus important. Les clippers, au milieu du 19e siècle, il y en avait quand même beaucoup plus. Et la marine marchande, tant qu'elle était à voile, elle avait une capacité d'emport pour la totalité de la marine marchande mondiale de l'ordre de 20, 30, 40 millions de tonnes. La marine marchande moderne, elle a 2 milliards de tonnes de capacité d'emport. Sans marine marchande, il n'y a pas de mondialisation. Sans marine marchande, il n'y a pas de mondialisation. Et sans camions, il n'y a pas de mondialisation non plus, du reste. La mondialisation, c'est des camions et c'est des bateaux, c'est-à-dire du pétrole. Et incidemment, c'est ce qui sera le plus difficile à décarboner, parce que autant vous pouvez décarboner la mobilité des personnes en passant des voitures à pétrole au vélo électrique, plus au train, plus à l'autocar, plus à quelques voitures électriques, autant le porte-conteneur qui fait 10 000 km pour les décarboner, il n'y a que deux solutions, des agrocarburants en quantité massive en affamant une partie des gens, ou bien des réacteurs nucléaires. Vous avez ces deux solutions-là. La marine à voile ne fera pas 2 milliards de tonnes de capacité d'emport dans le monde, jamais. Hein. Voilà, donc ça, c'est du pétrole. La Suisse en a profité parce que la Suisse est inscrite dans une économie mondialisée. La Suisse est également inscrite dans une économie digitalisée. Sans l'économie digitalisée, il n'y aurait pas de prix pour l'intelligence artificielle. Du reste, il n'y aurait pas de chercheurs, il n'y aurait pas de consultants, ce qui ferait deux populations en moins à nourrir. Vous avez ici la quantité de métaux utilisés par l'économie mondiale en fonction des siècles. Alors, vous voyez, en 1700, 1800, 1900, 2000. Alors, je vais m'arrêter en 1800. En 1800, la totalité de l'économie mondiale, qui à l'époque n'est pas du tout mondialisée, hein, il y a une fraction de pourcent de l'économie qui fait l'objet d'échanges, les soieries, les pierres précieuses, les épices, l'or, enfin voilà, pas grand-chose. Hein. Pas le blé, pas les carottes, pas les poulets et pas les vêtements. Eh bien, vous voyez, elle repose sur 9 métaux. C'est pas beaucoup, 9 métaux, plus l'or et l'argent qui ne sont pas là-dessus. Hein, 9 métaux. Et en fait, ces 9 métaux sont disponibles à peu près partout localement. En Suisse, je suis sûr qu'à l'époque, vous avez quelques bas-fourneaux qui sont capables de faire du fer. Il y en avait des centaines en France à l'époque. Il y a une vieille mine de cuivre abandonnée hein, dans le Val d'Anivier, pour ceux qui connaissent, etc. Dans les montagnes, parce que les montagnes avaient fait de la surrection, donc avaient mis à l'air libre quelque part des filons qui avant étaient enfouis. Et donc ça permettait d'avoir une petite activité minière. Aujourd'hui, la totalité des éléments du tableau de Mendeleïev ont une application industrielle. Alors je vais en prendre un qui m'amuse beaucoup, qui est l'hélium. L'hélium, il sert à faire des lasers de la bonne longueur d'onde pour graver les semi-conducteurs. Est-ce que vous savez d'où vient l'hélium dans le monde? On ne le cherche pas dans l'air, hein, je peux vous assurer tout de suite, hein, c'est un gaz rare, il est chimiquement inerte, et c'est pas comme ça. Il vient des gisements de gaz naturel, figurez-vous. Plus d'énergie fossile, plus d'hélium. Plus d'hélium, plus de semi-conducteurs. Ah, merde. Comment est-ce qu'on fait, ça c'est pour votre mère, un réseau 100% ENR qui demande des semi-conducteurs partout sans... Non, je vous taquine. Je vous taquine, mais pas que. En fait, on a créé une économie dans laquelle tout est imbriqué dans tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, on ne sait pas désimbriquer les énergies. On fait une éolienne avec du charbon. Et on ne sait pas désimbriquer les éléments. On fait de la mine de cuivre avec de l'hélium qui permet de faire les semi-conducteurs, qui permettent d'actionner les engins de mine et de piloter la société qui fait l'extraction minière. D'accord ? Donc tout est dans tout. Il n'est pas possible aujourd'hui de désimbriquer et on a fait une société terriblement complexe avec tous les éléments, encore une fois, du tableau de Mendeleïev qui ont une application industrielle et ça, ça a fait la Suisse moderne comme ça a fait la France moderne. D'accord ? C'est exactement de la même manière. Donc en fait, l'histoire des 19e et des 20e siècles, dans tous les pays qui y ont touché et ceux qui en ont bénéficié,
C'est l'histoire de l'exploitation des combustibles fossiles qui sont parfaitement gratuits, puisque comme toutes les ressources naturelles, c'est gratuit. Hein, on n'a pas payé un centime pour l'existence des combustibles fossiles. Et quand vous avez payé M. Latsis dans l'ancien temps, pardon, il faut des taquineries pour tout le monde, en fait, ce que vous avez payé à M. Latsis, c'est le travail et le fait qu'il était assis au bon endroit. Ce n'est pas du tout l'existence du pétrole, qui, elle, est arrivée gratuitement. D'accord ? C'est gratuit, le pétrole. Comme l'air, comme le vent, comme le cervin, et comme le Rhône, tout ça, c'est gratuit. D'accord ? Le pétrole est gratuit. Ce qui coûte, c'est d'aller le chercher. Le pétrole, comme le gaz, comme le charbon brûle, ça a mis en route la machinerie mondiale qui a permis de faire les milliards d'objets qu'on trouve aujourd'hui. Ça a totalement déformé la structure de la société. Les machines bossent pour nous, on a du temps libre. On travaille moins, deux fois moins en France aujourd'hui qu'il y a un siècle dans l'année. On a le temps de faire des études à l'université de Genève si on est bien inspiré, ailleurs si on l'est moins bien. On a le temps d'avoir des retraites, parce que la production des machines est tellement abondante qu'on peut nourrir, vêtir, loger à la fois les gens qui sont dits avoir un travail et les gens qui sont dits ne pas en avoir. Il n'y avait pas de retraite il y a deux siècles, ça n'existait pas. On a fait la mobilité longue distance, on a fait le tourisme, on a fait la civilisation des loisirs, on a fait la santé. Comment est-ce que vous voulez consacrer 10% du PIB à la santé quand le PIB est nul ? On a fait la santé. Etc, etc. Et comme les emplois tertiaires, c'est plus efficace quand on met les gens au même endroit, on a fait les villes. Les villes étaient ridicules, il y a quelques siècles, tout simplement parce que dans les villes, il faut nourrir les habitants, c'est la première des fonctions vitales. Et il y a deux siècles, vous pouviez faire des villes qui étaient limitées par le surplus agricole d'une zone accessible à quelques jours de transport avec les moyens de l'époque. C'était ça la taille qui était dimensionnante pour la taille d'une ville. Hein. Sauf rarissime exception, Rome dans l'Antiquité, et un tout petit peu Paris au début du deuxième millénaire. Mais bon, sinon, c'était ça. Et donc, les villes faisaient des milliers d'habitants. Lutèce faisait 5000 habitants. Je ne sais pas quelle était la taille de Genève il y a trois siècles, mais à mon avis, c'était un peu plus petit qu'aujourd'hui. Exactement pour la même raison. Alors, vous aviez encore une fois quelques exceptions, notamment pour les villes en bord de fleuve, dans lesquelles vous pouviez avoir du transport de masse de nourriture arrivant par le fleuve, mais c'était des exceptions. Et nous avons pris l'habitude de regarder tout ça sous l'angle économique en oubliant la physique. Alors, je vais vous parler maintenant très rapidement, dans le faible temps qui me reste, un peu du changement climatique, un peu de l'approvisionnement en combustibles fossiles, et je ne vous parlerai pas des ressources minérales, parce que je n'aurai pas le temps, et sinon, votre recteur va me faire les gros yeux. Je vais commencer par parler du changement climatique. Alors ici, vous avez une coupure de presse publiée au pays des Hobbits, la Nouvelle-Zélande. Les Néo-Zélandais, comme vous le savez, ont les pieds plats et poilus. Au pays des Hobbits, en 1912, je suis désolé s'il y a des Néo-Zélandais dans la salle, et puis j'espère qu'ils ne sont pas trop baraqués, en général ils le sont, parce que sinon ils vont en vouloir un peu, mais ce n'est pas vraiment l'épicentre de la science mondiale. Eh bien, ce que vous voyez, c'est qu'en 1912, non, pas vraiment, en 1912, en Nouvelle-Zélande, on, entre guillemets, sait ce qu'est le changement climatique. On le sait. On sait que le CO2 mis dans l'atmosphère crée un effet de couverture, et on sait que l'effet pourrait être considérable compte tenu de la combustion qui, à l'époque, concerne essentiellement le charbon qu'on fait. D'accord ? On sait. On le sait parce que, quasiment un siècle avant, Joseph Fourier, Cocorico, publie un article scientifique dans lequel il caractérise l'existence d'un effet de serre. Effet de serre qu'il nomme ainsi après des expériences faites par un Suisse que vous connaissez probablement, Oracte Bénédicte de Saussure, qui, outre le fait qu'il avait très envie de monter sur le Mont Blanc, s'est amusé à empiler des boîtes en verre les unes dans les autres, et en plaçant des thermomètres dans chacune des boîtes en verre, il a constaté que plus on allait vers le centre de son empilement de boîtes, et plus la température était élevée. Et donc il a appelé ça l'effet de serre. En fait, c'était un effet dû à l'interception des infrarouges. Parce que quand vous êtes dans la boîte du centre, l'effet mécanique d'absence de convection de l'air ne joue pas plus que quand vous êtes dans la boîte à l'extérieur. Et puis, avant la fin du 19e siècle, la messe est dite, trois physiciens, physiciennes et Svante Arrhenius caractérisent les gaz à effet de serre et disent que si on double le CO2 dans l'air, la température planétaire monte de 4 degrés, donc tout ça est connu depuis plus d'un siècle. La raison pour laquelle on ne s'agite pas, c'est parce que c'est le renoncement aux combustibles fossiles qui nous limite. À cause de tout ce que j'ai expliqué dans la première partie, c'est pas sympa de se priver d'un truc quand on est paresseux et accumulatif. Alors de quoi est-ce qu'on est en train de parler dans cette histoire ? Vous avez ici une carte qui vous représente les écosystèmes installés en Europe, en France et en Suisse, comme vous pouvez le voir, et un peu ailleurs, sur les siècles écoulés, donc je mets de côté le changement climatique récent,
à condition qu'on ne les coupe pas pour faire des trucs essentiels comme l'université de Genève et des trucs plus accessoires comme des champs, des routes, etc. Ce que vous voyez, c'est que ce que nous avons en Europe en termes d'écosystème à l'équilibre, c'est essentiellement des forêts. Très au nord, il fait trop sec et trop froid pour qu'on ait des forêts, on a donc de la toundra. Très à l'est, il fait trop sec pour qu'on ait des forêts, on a donc de la steppe. Voici l'Europe il y a 20 000 ans. Alors il y a 20 000 ans, nous sommes au cœur de la dernière ère glaciaire, c'est-à-dire que dans les grandes oscillations climatiques du Quaternaire, qui ont pris place sur les deux derniers millions d'années, nous sommes au point le plus froid de cette oscillation. D'accord ? Alors vous voyez que l'Europe ne ressemble pas vraiment à ce qu'elle est aujourd'hui. D'abord, il n'y aurait pas beaucoup, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, mais d'étudiants finlandais, suédois, norvégiens, danois. Vous étiez dans la Scandinavie il n'y a pas longtemps, non ? Voilà, bah vous n'y seriez pas allé. Un vol en avion économisé. Non, pardon. Donc, tous ces gens-là étaient sous la glace. Vous aviez une énorme calotte de glace posée sur la Scandinavie. Alors, très bonne nouvelle pour les Français, même si ce n'est pas là-dessus qu'ils ont trébuché cette année. Les Irlandais sont sous la glace, pour ceux qui aiment le rugby. Les Écossais, c'est un peu moins une menace, mais ils sont sous la glace aussi. Voilà. Les Africains du Sud, malheureusement pas. On ne peut pas tout avoir. Le Canada est également sous la glace. Le nord de la Russie est également sous la glace. Pour constituer ces énormes glaçons, il a bien fallu prendre de l'eau quelque part, et la nature a opéré un énorme transfert d'eau par précipitation, enfin évaporation, précipitation sous forme de neige, depuis les océans, et le niveau des océans a baissé de 120 mètres. Donc les avocats fiscalistes de Genève n'ont pas de concurrents dans les anglo-normandes, voilà, il n'y a pas de paradis fiscaux dans la Manche, puisqu'il n'y a pas de Manche. Et il n'y a pas de Brexit, il y a une continuité territoriale entre la France et la Grande-Bretagne. Par contre, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de Suisses, puisqu'ils sont sous la glace aussi, malheureusement. La vallée du Rhône, ben, Sion n'existe pas, à la place de Sion, il y a un glacier. Le climat est beaucoup plus froid et donc beaucoup plus sec, puisque dans un climat beaucoup plus froid, la pression de vapeur saturante est beaucoup plus basse et l'évaporation est beaucoup plus basse, et donc les précipitations sont beaucoup plus basses. Le climat est beaucoup plus sec en même temps d'être froid. Et ce que vous avez là où vous n'êtes pas englacé, en Europe, c'est des écosystèmes qui ressemblent à ce que vous avez actuellement au nord de la Sibérie, c'est-à-dire de la steppe et de la toundra. Et l'INSEE de l'époque me dit que vous avez 100 000 Français. Alors, je ne sais pas combien il y a de Suisses à l'époque. Or, la partie qui est sous la glace, à mon avis, pas beaucoup. Donc ça, c'est l'Europe il y a 20 000 ans. Et puis, pour passer dans l'état pré-industriel que vous voyez à droite, manifestement, nous avons réchauffé le climat. C'est assez difficile de faire fondre des glaçons en les refroidissant. Eh bien, le réchauffement climatique qui a piloté cette transition, il est de l'ordre d'une élévation de 4 degrés en 10 000 ans. Voilà. Donc là, vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature qui a été faite par la planète, consistant à réchauffer le climat de 4 degrés en 10 000 ans. Et vous voyez le genre de transformation de l'environnement que ça provoque. Alors maintenant, j'ai une très bonne nouvelle pour notre amie chercheuse sur les mécanismes de résolution de conflits. Elle va avoir énormément de boulot si on s'amuse à faire la même expérience en un siècle. Si on s'amuse à faire la même expérience en un siècle, je peux vous donner le résultat, ça sera la guerre partout. Ça sera la guerre partout parce que l'effondrement des conditions stables pour 8 milliards d'individus sédentaires ira considérablement plus vite que notre capacité à gérer ça dans la joie et la bonne humeur. Considérablement plus vite. Il va y avoir une tension croissante absolument partout, une compétition croissante pour les ressources résiduelles absolument partout, et en gros, ça va être le chaos. Alors, on peut rentrer dans le détail pour savoir quelles sont les conséquences. En fait, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas le temps. Et de toute façon, je ne le ferai pas pour une autre raison, parce que comme nous sommes en train de faire une expérience pour la première fois, on peut avoir des grandes tendances, mais avoir une liste précise de ce qui peut se passer, personne n'en sait rien. On peut avoir des grandes tendances, mais on n'aura jamais une liste précise. Et ça veut dire qu'à partir de maintenant, nous allons devoir apprendre à naviguer dans le brouillard, ce qui est extrêmement désagréable, et nous allons devoir apprendre, en Suisse comme en France, à adapter nos systèmes pour qu'ils soient moins performants dans la fourchette étroite de conditions favorables que nous avons connues depuis quelques siècles, mais beaucoup plus résilients en cas de conditions adverses qui ne vont pas tarder à survenir, de façon croissante. Vous savez que notre président, il n'y a pas très longtemps, pour ses vœux, il a dit « Qui aurait pu prédire le changement climatique ?» Ça a fait un peu gloser chez nous.
J'espère que vous ne lui jetterez pas des tomates pourries quand il viendra dans 2 jours pour autant. Voilà. Alors moi, je vais vous faire 3 qui auraient pu prédire, qui sont des vrais qui auraient pu prédire, parce que je pense que pas grand monde dans cette salle y aurait pensé il y a quelques années. Qui aurait pu prédire que le trafic du canal de Panama allait devoir être divisé par 2 parce que la sécheresse au-dessus de l'Amérique centrale empêche le remplissage du lac Gatun dont est tirée l'eau douce qui permet de faire les éclusages? Pas moi. Je n'aurais pas pensé spontanément. Je pensais aux sécheresses à l'époque. Je penserais sécheresse, culture, récolte, mauvaise mère, etc. Jamais j'aurais pensé que ça allait enquiquiner une partie du trafic maritime mondial. Jamais. Qui aurait pu prédire qu'il allait y avoir des vols de branches d'oliviers avec des olives dessus en Espagne à cause du et en Grèce à cause du réchauffement climatique? Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité agricole de l'Espagne cette année, mais enfin, à cause de la sécheresse extrêmement violente qu'ils ont connue, la récolte d'olives a été divisée par 2. Or, il se trouve que l'Espagne fournit de mémoire la moitié des olives, de l'huile d'olive dans le monde, de telle sorte que le prix des olives a explosé, et maintenant, il y a des gens qui déboulent avec des tronçonneuses dans les champs d'oliviers pour embarquer des branches avec des olives. Qui aurait pu prédire un truc comme ça? Pas moi. Qui aurait pu prédire que Acapulco allait être victime d'un ouragan qui, 12 heures avant, était une simple tempête tropicale? En 12 heures, l'ouragan est passé au stade de force 5. Enfin, d'ouragan de force 5. C'est du quasiment jamais vu. Alors, on sait, quand on lit les rapports du GIEC, excellente institution qui a son siège pas loin d'ici, que l'intensification des ouragans est une conséquence attendue du réchauffement climatique. À ce point-là, moi, j'aurais pas imaginé. Qui aurait pu prédire qu'en août 2022, les guides allaient refuser d'emmener leurs clients sur le Cervin? Pourquoi est-ce qu'ils ont refusé? Parce que le Cervin, comme toutes les montagnes de haute altitude, c'est du pergélisol, donc c'est du sol qui est gelé en permanence. S'il fait trop chaud, et l'été 2022, il a fait chaud, de mémoire, l'isotherme zéro est resté au-dessus de 4000 pendant un certain nombre de jours, voire de semaines, et à ce moment, le pergélisol commence à dégeler, et vous vous prenez des parpaings sur la figure en permanence, si vous essayez de monter sur le Cervin, et les Suisses ont dit, non, pas cette année, on n'ira pas. Alors, pour le moment, ça concerne que les guides suisses qui ne veulent pas aller sur le Cervin, mais peut-être qu'un jour, ça concernera les ancrages des remontées mécaniques de Zermatt, par exemple. Ou, il n'y a pas de raison que je ne tape que sur les Suisses, ceux de l'Aiguille du Midi, en France. Voilà. Alors vous allez me dire, ça c'est anecdotique face au fait qu'on meurt de faim, et je suis bien d'accord avec vous. Alors, qu'est-ce qui se passe si on ne veut pas jouer à l'expérience de manière trop violente? Vous avez ici le cahier des charges de la lutte contre le changement climatique. Ce cahier des charges, il est exprimé de la manière suivante. Sur l'axe horizontal de ce graphique, vous avez la quantité totale de CO2 que les êtres humains mettent dans l'atmosphère. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse juste à la quantité totale? Parce que le CO2 est une espèce chimiquement stable, le dioxyde de carbone, comme tous les oxydes, est une espèce chimiquement stable, et une fois qu'il rentre dans l'atmosphère, tant qu'il n'est pas au contact du sol, il n'a pas de processus d'épuration. D'accord ? Il reste là aussi longtemps qu'il veut, tant qu'il ne revient pas au contact du sol. Il ne peut s'épurer que par 2 mécanismes, un qui est physique, c'est un équilibrage de pression partielle entre l'atmosphère et l'océan, donc ça donne lieu à de la dissolution dans l'océan, tant qu'il y a plus de place dans l'océan pour mettre du CO2 que dans l'atmosphère. Et un deuxième processus qui est photochimique, c'est la photosynthèse. Pour ça, il faut un photon, le fameux photon, qui vont fournir l'énergie nécessaire à la dissociation de la liaison CO. Sans le photon, il n'y a pas de dissociation. Donc tous ceux d'entre vous qui ont essayé de faire pousser des plantes que je ne nommerai pas dans un placard sans lumière, ça ne marche pas. Donc ce que vous voyez là, c'est juste... Donc ce qui va compter pour le changement climatique, c'est la quantité totale de CO2 qu'on va mettre dans l'atmosphère d'ici à 2100 pour l'élévation de température en 2100. Alors à date, fin 2022, l'humanité a mis 2400 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère en contrepartie de cette orgie fossile que nous avons connue jusqu'à maintenant. Et ça a réchauffé la température planétaire de 1,2 degré. Donc à 1,2 degré, effectivement, vous perdez 5 à 6% de la masse glaciaire un bon été. Ça va continuer. Vous savez probablement que la quasi-totalité des glaciers auront disparu des Alpes en 2100, ce qui va évidemment modifier les débits des fleuves à l'aval. Donc ça va vous enquiquiner un peu. Alors pas vous, il y a longtemps que vous ne serez plus élu. Moi, il y a longtemps que je ne serai plus consultant. Mais quelques personnes quand même... Ça va poser des problèmes pour l'irrigation, ça va poser des problèmes pour la navigation, ça va poser tout un tas de problèmes un peu sympathiques.
15% des coraux tropicaux sont déjà morts. 1,2 degré, vous avez déjà les épicéates pleines qui sont condamnées en France. 1,2, voilà, donc vous avez, vous allez me dire, vous vous en foutez, ils sont en altitude, mais quand même. Voilà, donc il y a quand même un certain nombre de choses qu'on voit déjà. 1,2 degré, la moitié de la récolte d'olives part en fumée, c'est le cas de le dire, en Espagne. 1,2 degré, vous avez la récolte céréalière espagnole qui va également perdre plus de la moitié. 1,2 degré, vous avez le canal de Panama qui s'assèche, etc. C'est juste 1,2 degré, ça. Si on veut se limiter à 1,5, alors il faut limiter les émissions planétaires à 3000. Et encore, il y a des articles scientifiques récents qui suggèrent que ce n'est pas 3000, mais 2700. Et à ce moment, ça veut dire que nous avons encore le droit d'émettre, d'ici à 2100, 600 milliards de tonnes pour faire de la recherche en physique quantique, du conseil en réduction des émissions de CO2, de l'enseignement à l'Université de Genève, de la culture de carottes, des combats de rennes dans le Valais, etc. Tout ça, 600 milliards de tonnes de CO2 d'ici à 2100. Oui, parce que les rennes, on les monte en camion, hein, comme vous le savez probablement, pour partie. Ça veut dire que d'ici à 2100, l'humanité a encore le droit d'émettre 600 milliards de tonnes, parce que c'est 2400 qui ont déjà été émises, hein, c'est-à-dire le quart de ce qui a été émis pendant le siècle qui vient de s'écouler, avec une humanité qui était en moyenne 2 à 3 fois moins nombreuse. Ça veut dire qu'un bébé qui naît aujourd'hui, si on veut tenir les 1,5 degrés, son budget carbone d'ici à ce qu'il meure, dans 80 ans, allez, dans 77, mais enfin je vous le fais à 80, eh bien, doit être le 10e du budget carbone de ses grands-parents qui sont morts aujourd'hui à 80 ans. C'est ça que ça veut dire. Et comme vous avez compris que les combustibles fossiles, c'est l'abondance des machines et c'est l'abondance des objets, donc c'est notre pouvoir d'achat, ça revient à dire que d'accepter les 1,5 degrés, ça revient à dire que la génération qui naît aujourd'hui accepte sur sa vie d'avoir un pouvoir d'achat qui se balade entre le 8e et le 10e. Le 8e avec le nucléaire, le 10e... Non, pardon, je vous taquine. Je vous taquine, mais c'est à peu près ça, l'équation. C'est à peu près ça, l'équation. De celui de ses grands-parents. Voilà, c'est ça, les 1,5 degrés. Alors, vous comprenez maintenant qu'il y a un certain nombre de gens qui traînent les pieds. Ils ne le formalisent pas comme ça. Mais intuitivement, ils l'ont très bien compris. 2 degrés, on est large, comme dirait Foresti. On a encore droit à 1200 milliards de tonnes pour arriver à 3600. Et donc, mon bébé a droit au 5e... du pouvoir d'achat de ses grands-parents, c'est quand même vachement mieux. Et si on met un Suisse et un habitant du Togo et un Français et un habitant de Mongolie et un Brésilien sur un plan d'égalité, pour un bébé qui naît aujourd'hui en Suisse, à 2 degrés, c'est pas le 5e, c'est plutôt le 20e. Bah oui, on est égalitaire ou on l'est pas. Donc là, vous avez une petite idée du cahier des charges. Si je vous le présente de manière dynamique, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ici, en bleu et en vert, les trajectoires d'émissions qu'il faut respecter d'ici à 2100 pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 ou à 2 degrés. Vous remarquerez que ces trajectoires, elles incluent la possibilité de passer en territoire négatif. C'est-à-dire que non seulement il faudrait qu'on n'émette plus un gramme de CO2, mais en plus, il faudrait, tels les Shadok, repomper de l'atmosphère une partie du CO2 qu'on y a déjà mis, avec des dispositifs qui restent à inventer et qui fonctionnent sans énergie fossile. Bon. Alors on pourrait planter plein de forêts, mais enfin si on est 10 milliards et qu'on a besoin de croûter, c'est pas demain matin qu'on va le faire, pour le moment on fait l'inverse, enfin bon bref, vous voyez, c'est quand même pas gagné d'avance. Et ça veut dire qu'en tout état de cause, d'ici à 2050, il faut diviser les émissions planétaires par au moins 3. Alors, vous avez tout un tas de brillants mathématiciens dans cette université qui savent qu'une division par 3 en 27 ans, c'est une baisse annuelle d'à peu près 5% si on fait une évolution géométrique. Moins 5% par an. Alors, je vais vous donner un plan pour moins 5% par an sur les deux premières années, puis après, je vais vous demander de travailler un peu parce que je n'ai pas d'idée. La première année, vous faites le Covid. Mais vous ne remettez pas l'économie dans l'état pré-Covid. Non, non, vous laissez l'économie dans l'état post-Covid. D'accord. La deuxième année, vous envoyez les bombardiers, alors pas suisses, ils ne sont pas assez nombreux, plutôt américains, éradiquer l'appareil industriel de l'Allemagne et du Japon. C'est ce qu'on a fait en 1945, moins 5% d'émissions. Ça, c'est l'année 2. Puis l'année 3, je n'ai pas d'idée, donc il faut que vous m'en donniez pour faire à nouveau moins 5% d'émissions dans l'année. Donc là, vous êtes en train de comprendre ce que ça veut dire, et là, c'est pour 2 degrés, hein. Pour 1,5, c'est moins 7 par an.
Donc vous êtes en train de comprendre une chose, c'est évident qu'on n'en prend absolument pas le chemin. On n'en prend absolument pas le chemin. Et à la COP28, on n'en prendra pas plus le chemin, même si le pape que j'adore va à la COP. Ouais, il fait des bulles sympas, moi je trouve, il fait des encycliques sympas, le pape. Je suis totalement athée, mais je trouve qu'il fait des encycliques sympas. Donc, voilà, donc vous comprenez bien que... Je sais que je prends des risques en vous parlant du pape en terre protestante, mais c'est pas grave, je suis ici pour faire ça. Vous comprenez bien qu'on est en train de parler de quelque chose qui est une vraie révolution. Alors, de temps en temps, il m'est arrivé d'utiliser cette expression, puisque vous avez compris que le réchauffement climatique, ça serait la guerre. Si on veut pas la guerre, il va falloir l'économie de guerre. Enfin, c'est un peu cet ordre-là. Hein. On va pas y arriver juste avec des mesurettes. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas sincères quand ils essayent d'avancer, mais vous et moi inclus, on reste dans le cosmétique aujourd'hui par rapport à la vitesse à laquelle il faut avancer. Alors, nous allons parler maintenant de la Suisse dans cette histoire, parce que quand même, il faut que je vous parle un peu de la Suisse. Ici, vous avez l'empreinte carbone de la Suisse depuis 2000. Merci l'Office fédéral des statistiques, à qui, et merci le Wi-Fi dans le train, grâce auquel j'ai obtenu ce graphique en venant ici. Et voilà, c'est pour ça que j'ai maltraité les gens de la com en leur disant que je finirai en temps réel. Alors, ce que vous voyez, c'est que la Suisse, aujourd'hui, a une empreinte carbone de 112 millions de tonnes équivalent CO2, et pour un peu moins de 9 millions d'habitants, ça vous fait 13 tonnes par personne. C'est quoi l'empreinte carbone? C'est la totalité des émissions qui prennent place sur Terre, où qu'elles prennent place, pour que vous puissiez avoir ce qu'on appelle la consommation finale que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire tous les objets qui sont disponibles pour les ménages. Lunettes, brosses à dents, dentifrice, vêtements, nourriture, véhicule automobile, chalet dans les montagnes, etc. Tout ça, d'accord? Tout ce que vous avez disponible à la consommation finale, place de cinéma, whatever, smartphone, ordinateur, eh bien, c'est toutes les émissions de gaz à effet de serre qui ont été nécessaires, qu'elles prennent place chez vous ou en dehors de chez vous. Ce que vous voyez, c'est qu'elles prennent place essentiellement en dehors de chez vous. Donc, ce qui permet aujourd'hui à la Suisse de vivre comme elle vit, c'est essentiellement des machines qui ne travaillent pas en Suisse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, ça se voit au travers de cette empreinte carbone. Et c'est une autre manière de dire que si je coupais les imports et les exports, instantanément, vous auriez les deux tiers qui disparaîtraient. Enfin, vous n'auriez plus une casserole, ou à peu près, plus un vêtement, plus une paire de lunettes, etc. À quoi ressemble l'empreinte carbone? Alors là, je vais vous donner le détail pour la France, parce que je n'ai pas réussi à obtenir le même détail pour la Suisse, mais ça vous donne quelques idées. En gros, vous avez 5 paquets à peu près équivalents. Je vous montrerai après les paquets pour la Suisse, ne sont pas exactement les mêmes. Un premier paquet concerne les déplacements. Alors les déplacements, il y en a une partie qui se fait en voiture. Vu la cylindrée de la voiture suisse moyenne, je soupçonne qu'en Suisse, c'est plus élevé. Et vous avez une partie qui se fait en avion. Alors, vous voyez que l'avion, c'est non négligeable face à la voiture. Et en fait, il faut voir qu'un seul vol en avion, c'est quelques tonnes de CO2, si vous prenez un long courrier. Donc, ça vous double votre budget carbone voiture sur l'année si vous prenez un seul vol long courrier pour aller vous dépayser à Bali ou au Mexique. Après, vous avez un deuxième gros paquet, c'est les vaches des Reims. Non, pardon, c'est la viande, les produits animaux, les boissons. C'est-à-dire ce que vous mangez, et là-dedans vous voyez en fait que les produits animaux et les boissons, c'est l'essentiel du gros paquet. Donc si vous mangez des courgettes, c'est beaucoup moins carboné que si vous mangez de la fondue ou de la viande séchée. Si vous mangez de la fondue, vous avez fatalement de la viande séchée. Hein. On ne fait pas de fromage sans faire des vaches de réforme et des veaux. Les boissons, ce n'est pas négligeable. Donc tous les sodas, avec des marques que je ne nommerai pas, je vais quand même les nommer, en France, une des premières références vendues en grande surface, c'est la bouteille de Coca. Et dans les difficultés alimentaires qu'ont actuellement les Français, un truc très étonnant, c'est qu'ils mangent moins de produits sains et continuent à acheter autant de Coca et de Nutella. Voilà, vous comprenez qui pourra. Ensuite, vous avez un troisième paquet qui est le logement. Alors le logement, c'est essentiellement l'énergie du logement, mais vous avez également l'énergie nécessaire à faire tourner les cimenteries de Holcim et les aciéries que vous n'avez pas chez vous, mais qui font quand même des fers à béton qui sont nécessaires pour la construction. Ensuite, vous avez les achats. Alors, les achats, c'est le mobilier, c'est vos achats de loisirs, donc les VTT pour aller dans la montagne, les skis pour aller dans la montagne, etc. L'électronique, c'est les meubles, c'est les vêtements, c'est etc. Et enfin, vous avez les services publics, tout à fait à droite. Ça, c'est les F-16 qui vont faire des ronds dans l'air, au-dessus du Val d'Anivier de temps en temps, en faisant un bouquin de tous les diables, plus les établissements d'enseignement. Donc, typiquement, les émissions de cet établissement ici sont dans la barre service public, si je fais l'empreinte carbone de la Suisse. Donc là, vous avez pour la France, c'était juste pour vous détailler. Et maintenant, je vous fais une petite comparaison franco-suisse. Qui gagne ?
c'est vous. La France est à 10 tonnes, vous à 13. Vous gagnez, je m'incline. Voilà. Alors, vous voyez que pour les déplacements, la Suisse est au-dessus de la France. Grosse voiture, plus d'avions. Pour l'alimentation, vous êtes en dessous. Et alors ça, je pense que c'est attribuable au fait que la viande, ça coûte un bras ici. Alors que c'est le cas de le dire, hein, une épaule de mouton. Donc il y a probablement ça qui je ne vais pas regarder le détail. Hein. Je me loge, c'est à peu près équivalent, parce que vous avez quand même beaucoup d'habitations ici qui sont chauffées au fioul, en particulier les habitations qui sont hors réseau. Alors là, les salaires se traduisent en achat, et donc j'achète, la barre est quasiment deux fois plus haute. Voilà. Parce que vous achetez deux fois plus d'électronique, de vêtements, de montres Rolex, non pardon, j'ai rien dit, etc., etc. Et ça, c'est juste la conséquence de votre pouvoir d'achat. Voilà. Si vous ne vouliez pas avoir une barre très haute, une partie de l'argent que vous gagnez, il faudrait le brûler, comme Gainsbourg. D'accord ? Vous allez devant une caméra de télé, vous brûlez le pognon, et là, c'est bon. La barre baisse. Et enfin, vous voyez également une barre plus haute pour les services publics, que là, je ne m'explique pas. Je ne sais pas, peut-être que les hôpitaux, je ne vois, sont mieux chauffés que les hôpitaux français. Enfin, je sais pas, il faudrait que je... Ça, je n'ai pas l'explication. Mais vous voyez, je n'ai pas fini le titre en plus, mais bon, vous voyez que l'empreinte carbone d'un Suisse, hein, elle est plus élevée que l'empreinte carbone d'un Français, et elle est plus élevée que la moyenne européenne de mémoire, alors même que votre électricité est totalement décarbonée. Et ça, c'est la conséquence, encore une fois, du mode de vie. Alors, si on se dit, quand même, le mode de vie suisse, il est sympa, de fait, il est sympa. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se plaignent d'habiter à Lausanne, par exemple. Genève, je ne sais pas, mais Lausanne, c'est quand même sympa. Genève, ils se plaignent, oui, ils se plaignent nécessairement. Vous voyez que cela, de toute façon, avec les gens qui se plaignent, qui viennent vous voir. Ça, c'est un des grands charmes de la fonction d'élu. Donc, on pourrait se dire, tout ça, c'est sympa, on n'a aucune envie de diminuer. Alors, malheureusement, il y a une voiture balai. Il y a une voiture balai qui arrive, qui est que les combustibles fossiles ne sont pas éternels. En fait, pour faire des combustibles fossiles, il faut des micro-organismes ayant vécu il y a très très longtemps dans l'eau, essentiellement dans l'océan, et qui derrière, par le biais de la tectonique des plaques, voient les restes enfouis sous terre, chauffés par la géothermie, compressés par la pression terrestre, et ça fait une lente pyrolyse qui finit par vous transformer ça, exactement comme la distillation dans un alambic, c'est pas tout à fait le même principe, mais en combustible fossile, c'est-à-dire gaz, pétrole, charbon. Le charbon, il reste dans des petites inclusions, et le gaz et le pétrole peuvent éventuellement circuler dans la croûte terrestre. Alors, c'est un processus qui prend de bout en bout n'importe quoi, entre quelques dizaines de millions et quelques centaines de millions d'années. Donc, le métier de M. Latsisper, il n'est pas perpétuable à l'infini. C'est pas possible. Parce qu'avec des combustibles fossiles qui sont donnés en quantité donnée une fois pour toutes, vu le temps de formation, eh bien, les mathématiques vous interdisent d'avoir une extraction qui soit indéfiniment croissante, voire même indéfiniment constante. Vous êtes obligé d'avoir un maximum. Alors, en ce qui concerne le pétrole dit conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas les sables bitumineux du Canada et le pétrole de schiste, j'ai fini dans deux minutes, et le pétrole de schiste américain, le maximum a été passé en 2008. Ce rapport qui aurait dû faire les gros titres des journaux télévisés un mois de suite est passé complètement sous le radar. Et en général, quand je demande dans une assemblée représentative, là vous n'êtes pas représentatif puisque sont venus les gens qui avaient envie, mais dans une assemblée représentative, qui a entendu parler de ce truc-là, si j'ai une main et demie qui se lève, c'est le bout du monde. Ça dit quand même quelque chose de très important. En fait, c'est le passage du pic de production conventionnel en 2008 qui explique probablement la crise des subprimes, qui explique probablement le fait que l'économie ait légèrement commencé à se démondialiser depuis cette époque, qui explique que la production industrielle européenne n'est pas repartie à la hausse si je tire un trait entre 2007 et 2022, etc., etc. Donc c'est quand même un sujet qui a une petite importance et dont à peu près personne n'a parlé. Au Chiffre Project, on a demandé à se projeter plus loin pour l'approvisionnement européen. Alors je suis désolé, on a fait de l'ostracisme anti-suisse, c'est l'Union européenne qui nous intéressait, vous aviez qu'à être dedans. Donc on a regardé pour... On a regardé pour les 16 premiers fournisseurs de pétrole de l'Union européenne. Enfin, la Suisse en dépend parce que vous êtes connecté par pipeline essentiellement aux terminaux pétroliers européens. Hein, vous n'avez pas peu de pétroliers qui remontent le Rhône jusqu'au lac Léman pour décharger leur cargaison sur le lac Léman. En tout cas, je n'en ai pas vu souvent. Donc ça vous concerne directement aussi. Donc on a pris par la manche trois personnes qui étaient respectivement l'ancien patron de l'exploration de Total, l'ancien patron de l'évaluation des gisements de chez Total et un ancien analyste pétrole et gaz de l'AIE. On leur a mis entre les mains une base de données que M. Latsis connaît bien, qui est gérée par Rystad Energy et qui fait l'inventaire de l'ensemble des gisements pétroliers dans le monde.
et on a demandé à ces trois personnes de nous faire un pronostic pour les 16 premiers fournisseurs de l'Europe, qui sont aussi les 16 premiers producteurs de pétrole dans le monde, hors Brésil et Canada. Quel était leur pronostic sur la production future de ces États sous seule contrainte géologique? Donc là, on dit, il n'y a pas de politique climat, on s'en fout du climat, juste on regarde ce qui peut sortir de terre compte tenu du fait que le pétrole met 300 millions d'années à se former, ou 50. Juste ça. Et voilà le résultat de leur calcul, ou de leur évaluation. Ce qu'ils nous disent, c'est d'ici à 2050, les 16 premiers fournisseurs de l'Europe vont voir leur production divisée par deux. Alors vous allez me dire, peut-être qu'ailleurs, ça va augmenter. Non, non, ailleurs, ça va suivre à peu près la même évolution. Ce qui veut dire que leurs exportations vers l'Europe, puisque les producteurs vont commencer par garder le pétrole pour leur propre population, leurs exportations vers l'Europe vont être divisées par n'importe quoi entre 2 et 20. N'importe quoi entre 2 et 20. Donc je peux vous dire que même si on s'en fout du climat, on a quand même intérêt à s'occuper un tout petit peu de la question de la décarbonation et en particulier de la dépétrolisation du monde. Et je vous rappelle que la dépétrolisation du monde, c'est sa démondialisation à cause des bateaux et des camions. Et c'est de la sobriété matérielle choisie, à ce moment on appelle ça de la sobriété, subie, on appelle ça de la pauvreté. Et si dans ce contexte, certains pays continuent à s'enrichir, ça sera juste un transfert de richesse au détriment d'autres qui s'appauvriront encore plus vite, et ça augmentera les risques de conflit. Même si on est neutre. Même si on est neutre. C'est pas juste une taquinerie. Il n'y a pas de limite aux folies qu'on est capable de faire en cas de désespoir. C'est juste ça que je rappelle. Hein. En ce qui concerne le gaz, même motif, même punition. Le pic mondial en ce qui, du gaz, il est attendu pour les années 30, give or take some. Et ce que vous voyez sur ce graphique, un truc qui même moi m'a surpris, c'est que le gaz conventionnel, donc si on exclut le shale gas des Américains, en fait, il est sur un plateau depuis 2010. Moi, je ne le savais pas. J'ai découvert ça avec cette analyse. Voilà. Et j'ai encore un peu de temps pour les questions, vu que mon train est demain matin. Non, après, je sais que... Voilà, j'imagine que vous êtes impatient de poser les questions à notre conférencier et sans plus attendre, je passe la parole à la salle. Vous m'avez demandé effectivement de prendre garde au fait qu'on prendra une question d'une femme, puis ensuite une question d'un homme, une question d'une femme, ensuite une question d'un homme pour une question de parité. Monsieur Jancovici, on va la respecter. Donc qui veut prendre... La première question, on voit assez mal la salle, mais il y a des micros qui circulent dans la salle et je vous demanderai simplement d'être très bref puisque le temps est compté. Posez une question et présentez peut-être vous très rapidement. Merci beaucoup d'avance. À qui puis-je donner la parole? Oui, il y a une parole. On a commencé par un homme, il faudra une femme après. Donc peut-être vous, monsieur. Je ne sais pas si le micro peut être donné dans les premiers rangs. Merci. Bonsoir, merci beaucoup. Je me permets de rebondir sur une conférence, je crois que c'était une interview que vous avez fait il y a quelques semaines maintenant. Vous aviez donné une recommandation pour les universités en disant qu'il fallait peut-être orienter la recherche. Je vous écoute, je connais déjà la réponse, mais peut-être que vous pourriez... partager votre recommandation sur vers où il faudrait orienter la recherche, puisque je crois qu'on est au bon endroit pour ça. Merci. Alors, je vais continuer d'être un peu taquin. Est-ce que dans le monde tel qu'il risque de se présenter, le plus urgent, c'est de chercher le boson de Higgs ou bien est-ce qu'on a d'autres priorités? C'est évident qu'on sort d'un monde facile où on n'avait pas besoin de se poser cette question, c'est-à-dire qu'en gros... Quoi qu'on trouve, on y trouverait une application. Et effectivement, à peu près n'importe quoi qu'on ait cherché, derrière, on a pu trouver une application lointaine ou proche. Mon père était chercheur. Hein, donc, il a fait des systèmes coulombiens à deux dimensions. Vous ne me demandez pas ce que c'est, je demanderai peut-être après, je n'ai jamais rien compris. Donc, je voyais des beaux signes intégrales, sommes, etc. sur les papiers le week-end, et c'est tout ce que j'ai vu. Aujourd'hui, vous comprenez que dans un monde limité, on va devoir choisir, et choisir, c'est renoncer. Et je pense que malheureusement,
Ce choix va également devoir s'appliquer à la recherche, donc on va devoir se poser la question de quelles sont les recherches qui sont fondamentales, celles qui sont du luxe, dans un monde qui va se retrouver en contraction de moyens. Alors, je n'ai pas la réponse à tout, évidemment, c'est absolument pas si dans cette affaire, il est plus urgent de s'occuper des mécanismes qui permettent d'avoir la paix, de ce qui permet d'éviter d'avoir des cancers, ou j'en sais rien. Ou peut-être qu'on peut faire un peu moins de recherche pour éviter d'avoir des cancers et un peu plus pour éviter de fumer et de manger des cochonneries. Voilà, bon. Donc, on va devoir se poser ce genre de questions, à l'évidence. Je ne suis pas sûr que ça sera dramatique pour la recherche en elle-même, parce qu'en fait, le chercheur est souvent un animal curieux, en plus d'être paresseux et accumulatif. Je pense que ce n'est pas un drame, mais je pense qu'effectivement, il va falloir se poser la question des priorités dans ce secteur-là, comme dans d'autres. Et évidemment, il faut se la poser avec les gens du secteur. Mais voilà, il faut se la poser. Mais je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire, par contre, je pense que c'est un chantier à ouvrir. Merci. Donc, il faudra trouver maintenant une question pour une personne, la gente féminine, pour respecter les volontés de notre conférencier qui veut se lancer. Alors, ça ne peut pas être moi, malheureusement. Mais... Non. Et peut-être une question qui... Voilà. Il y a une main là-bas. Voilà. Oui, je suis désolé, mon système oblige à deux premières questions. Non, ça ne marche pas. Là. Le cahier des charges n'a pas été respecté. Si. Malheureusement, on voit assez mal le fond de la salle. Il est possible qu'il y ait des gens au fond de la salle, donc je vais demander aux personnes qui ont les micros de pouvoir les repérer pour nous. Désolé, on vous voit mal, on a beaucoup de projecteurs en pleine face. Voilà, je suis une femme, je peux poser la question. Voilà. Merci infiniment pour cette conférence vraiment très claire et comme d'habitude, comme on vous voit toujours sur les vidéos, sur YouTube, c'est vraiment excellent. Ma question est, et quel est le bilan carbone des armes sur vos diapos? On voit souvent manger, se déplacer, les avions. Mais les armes, usines et l'industrie des armes. Alors l'armée, c'est à peu près un quart de l'empreinte carbone des services publics dans un pays comme la France. Je ne sais pas si c'est plus important en Suisse et que ça explique l'écart entre la Suisse et la France. Il faudrait que je regarde. Mais en gros, c'est à peu près ça. Donc c'est un quart à peu près du. Le plus gros morceau dans les services publics en général, c'est l'enseignement. En tout cas, en France, c'est l'enseignement de très loin, puisque l'enseignement est essentiellement public. Et je soupçonne qu'en Suisse, c'est pareil. Alors, monsieur, peut-être maintenant. Vous avez un gros morceau qui est l'hôpital également. Mmh. En France, juste pour finir là-dessus, en France, l'hôpital, c'est entre 5 et 8% de l'empreinte carbone du pays. Enfin, l'hôpital, le système de soins, on va dire. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'aurais juste une petite question, de savoir un peu votre positionnement sur, par exemple, la géo-ingénierie, qui est un concept qui est très, très controversé, mais je ne sais pas comment vous vous situez là-dessus. Et voilà. Si vous êtes au sommet de la Tour Eiffel, prendre un parallèle très, très français, vous pouvez ne pas sauter, ou vous pouvez sauter en pensant qu'avant d'arriver en bas, vous arriverez à vous tricoter un parachute. Je considère que la géo-ingénierie relève un peu de la deuxième éventualité. C'est-à-dire que, pour difficile que ça soit de baisser les émissions de gaz à effet de serre, je pense que le pari consistant à imaginer qu'on va arriver à gérer les conséquences par de la géo-ingénierie est encore plus risqué. Alors, il y a quelques sous-compartiments sur lesquels on peut éventuellement imaginer, parce que dans la géo-ingénierie, par exemple, la séquestration du carbone en ayant fait pousser des arbres et en utilisant ces arbres pour faire de l'électricité en enfouissant le CO2 sous terre, c'est mis dans cette catégorie-là. Bon, ça, OK, on peut en faire un peu si on veut. On n'en fera jamais des énormes paquets, parce que les arbres, on va également en avoir besoin pour refaire de la construction quand on aura moins d'énergie fossile pour faire du ciment et de l'acier. On va en avoir besoin pour faire un peu d'énergie quand même. On va en avoir besoin, enfin, exactement, on va avoir besoin des surfaces sur lesquelles poussent des choses pour continuer à se nourrir, pour continuer à faire des matériaux, pas que des arbres, hein, du lin, du chanvre, de la paille, qu'est-ce que je sais. Cette possibilité-là sera restreinte. En fait, quand vous faites des calculs d'ordre de grandeur, alors les miroirs en orbite, c'est un délire complet. Moi, j'ai fait un calcul d'ordre de grandeur. Aujourd'hui, l'effet de serre envoie 1% d'énergie supplémentaire à la surface de la Terre. C'est comme si le Soleil avait augmenté sa puissance de 1%. Si vous voulez masquer ça par des miroirs, ça veut dire qu'il faut recouvrir 1% du disque apparent de la Terre
par des miroirs en orbite, et quand vous regardez le poids de matériaux que ça suppose d'envoyer en orbite, même avec des miroirs qui seraient extrêmement légers, quelques dizaines ou centaines de grammes par mètre carré, vous vous rendez compte qu'on est dans des nombres totalement délirants. D'accord ? Je ne sais plus combien de centaines de milliers ou millions de tirs de fusée ça faisait. Enfin, je ne crois pas qu'on va faire des choses massives avec de la géo-ingénierie. Après, qu'on peigne les toits en blanc pour éviter d'avoir des îlots de chaleur, c'est une bonne idée. Mais ça reste des trucs locaux. Ça ne règle pas le problème de manière globale. Voilà, je vois une main se lever ici sur ma droite. Merci beaucoup. Et c'est une femme. Bonsoir. J'ai une question sur les certificats carbone. Connaître votre position, à savoir est-ce que vous achetez, sans mauvais jeu de mots, le fait d'encourager des projets qui sont censés permettre de capter du carbone et, à contrario, qui à nouveau monétise le carbone. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, que vous avez des insomnies, il y a sur le site de Carbone 4 une page qui s'appelle Net Zéro Initiative. Et vous verrez, c'est la proposition d'un référentiel dans lequel on a considéré trois compartiments pas fongibles entre les émissions réelles qui prennent place dont dépend une activité, par exemple Carbone 4, par exemple l'Université de Genève, par exemple un restaurant. Les émissions qu'on appelle évitées, qui sont les émissions que vous pouvez éviter chez vos clients quand vous leur vendez des produits ou services qui leur permettent de baisser leur propre empreinte carbone. Par exemple, vous avez un service de réparation de vêtements, vu qu'on avait des vestes rapiécées au coude, là, ça me rappelle mon père. C'est très bien, ça évite de jeter des vestes. Donc, si vous proposez ce genre de service, vous pouvez calculer les émissions évitées par le fait qu'une partie de vos clients n'achèteront pas des vêtements neufs. D'accord ? C'est les émissions évitées. Ça, c'est séparé des émissions induites. Et enfin, vous avez une troisième catégorie qui est le carbone séquestré, qu'on considère comme étant non fongible avec les émissions induites. Et alors, un truc que j'ai dit souvent, c'est la neutralité ou la compensation. Pour moi, c'est un anesthésiant mortel, parce qu'à partir du moment où, dans une entreprise, vous dites « j'ai compensé avec des certificats et je suis neutre », vous avez envoyé à vos salariés le message que vous vous êtes tiré d'affaire et que ce n'est pas la peine de vous creuser la cervelle, alors que vous êtes tout autant dépendant des émissions de gaz à effet de serre qu'avant. Donc imaginons, vous êtes chez un constructeur de voitures à essence, vous dites « j'ai acheté des crédits, j'ai compensé, j'ai plus de problème », bien évidemment, vous avez un problème, parce que si l'Europe interdit les véhicules à moteur thermique, vous avez beau avoir compensé, vous êtes quand même un tout petit peu dans la mouise. Donc, la compensation, en fait, c'est quelque chose qui est un anesthésiant. Ça conduit juste à dire aux forces vives d'une entreprise ou d'une municipalité, surtout ne faites rien, le problème est déjà réglé. Sans compter que quand vous regardez en plus dans le détail les méthodes de comptabilisation pour la séquestration du CO2 ou des émissions évitées, 9 fois sur 10, vous avez quelque chose qui ne tient pas la route. Hein ? Vous avez des conventions qui ne sont pas adaptées aux problèmes que vous êtes en train de traiter. Donc c'est évidemment très bien d'encourager des projets de reforestation, d'émissions évitées, etc. Il faut le faire, mais il ne faut pas que ce soit une excuse absolutoire pour ne pas s'occuper par ailleurs de ces émissions induites. Alors il y a évidemment des cas de figure un peu... si vous êtes un fabricant de vélos électriques, votre premier problème, c'est quand même de substituer des voitures. C'est pas tant de limiter au maximum. De toute façon, vous n'allez pas y arriver. Plus vous vendez de vélos pour éviter des voitures, plus votre empreinte carbone va augmenter, hein, de toute façon, hein, parce que vous n'allez pas faire des cadres en bois et des chaînes en balsa. Donc, bon. Globalement, pour une entreprise ordinaire, il faut s'occuper séparément des trois et surtout ne pas les rendre fongibles parce que ça vous brouille la vision. Voilà. Et tout ça est détaillé dans une méthode qui est en libre accès, hein, qui s'appelle Net Zero Initiative, qui est disponible sur le site de Carbone 4. Merci beaucoup. Peut-être encore deux dernières questions. Une ici, si on peut passer un micro qui se trouve juste à l'allée centrale, merci. Puis ensuite une femme et on terminera par ces deux questions. Merci pour votre présentation. Je crois que c'était très clair. La diminution de la consommation de fossiles dans le futur, elle est évidente. Maintenant, ce que j'aurais aimé avoir de votre part, c'est qu'à partir du moment où on diminue la consommation de fossiles, on va tendance à augmenter la consommation d'électricité, parce qu'on va mettre des pompes à chaleur, on va installer des voitures électriques, les processus industriels vont passer du gaz à l'énergie électrique. Alors, comment ça se passe, ce changement entre la décroissance de la consommation d'énergie fossile et l'accroissement de l'énergie électrique? Est-ce que vous avez des prévisions
de production ou de consommation d'énergie électrique dans les prochaines années pour les pays européens? Alors, pour éviter des fossiles, vous avez deux grandes marges de manœuvre, ou trois grandes marges de manœuvre, plus exactement. Vous avez une première marge qui est ce qu'on appelle l'efficacité, c'est-à-dire que vous gardez le même service et vous rendez simplement l'appareil plus efficace. Typiquement, c'est ce qu'ont fait les ingénieurs du monde automobile sur les dernières décennies. Vous avez une deuxième marge de manœuvre qui consiste à se passer du service. Donc vous dites très bien, ma voiture, je l'envoie à la casse et je prends le métro, le bus, le vélo électrique, la charrette à cheval, ce que vous voulez. Et puis vous avez une troisième marge de manœuvre qui est de décarboner l'énergie. Donc vous gardez également un appareil qui consomme de l'énergie, mais vous décarbonez cette énergie. En fait, il va falloir jouer sur les trois tableaux en même temps. Et tout est une affaire de proportion. Alors on a fait des calculs assez sophistiqués pour la France, je ne les ai malheureusement pas faits pour la Suisse, dans un travail qui s'appelait le plan de transformation de l'économie française, qu'on a mené en France, où on a fait tous ces calculs de bouclage. Et alors ces calculs de bouclage, on est obligé de les faire de façon totalement transversale. Je vous prends l'exemple de la cimenterie. Pour décarboner la cimenterie, tout dépend de combien de tonnes de ciment vous estimez avoir besoin. Alors en France actuellement on constate qu'on construit deux fois plus de logements qu'il y a de formation de nouveaux ménages. Donc on s'est dit peut-être qu'on pourrait construire moins. Alors évidemment quand on dit ça, les promoteurs nous tombent dessus, les constructeurs nous tombent dessus, ça m'a valu quelques passes d'armes avec les milieux d'affaires, mais peu importe. Et vous vous rendez compte qu'en fait en France une bonne partie de la politique de soutien au logement c'est une politique de soutien aux constructeurs et pas une politique de soutien aux habitants. Si on commence par diviser la quantité de ciment qu'on produit par un facteur 2, puis que derrière, on se rend compte, en plus, que la quantité de ciment dans le béton, très souvent, elle est excessive parce qu'on a une formulation unique, que vous fassiez un bâtiment de 10 étages ou un bâtiment d'un sol. Donc là, vous pouvez encore gagner quelque chose. À la fin, vous vous rendez compte que l'électricité dont vous avez besoin pour électrifier votre processus, là, en l'occurrence, pour le ciment, c'est compliqué parce qu'il y a toujours du CO2 fatal à cause de la chimie. Ça, on est d'accord. Mais on peut au moins électrifier le four. Eh bien, vous rendez compte que la quantité dont vous avez besoin n'est pas la même selon le prérequis que vous avez mis en entrée sur la consommation finale de ce dont vous avez besoin. C'est pareil pour l'acier. L'acier, on peut réduire le minerai de fer avec de l'hydrogène. La quantité d'acier, aujourd'hui, on fait 250 kg d'acier par personne et par an dans le monde, en moyenne, 2 milliards de tonnes d'acier. Bon. Est-ce qu'on en a besoin d'autant ou est-ce qu'on peut se contenter de moins? Alors, moins, c'est on retouche à la construction, on touche à la taille des engins de transport. Enfin voilà, vous voyez, donc en fait, on est obligé de faire ce grand bouclage. Donc oui, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas de figure, la proportion de l'énergie qui sera électrique augmente dans un monde décarboné, parce que les grands modes de production, enfin d'extraction d'énergie de l'environnement décarboné, sont des modes électriques. Vous avez les modes renouvelables d'un côté, vous extrayez de la puissance mécanique, vent et eau, hydroélectricité, de la puissance électromagnétique, c'est le solaire, de la puissance chimique, c'est la biomasse. Hein, donc c'est ça que vous extrayez. Ou bien de la puissance nucléaire, ce qui est un autre mode décarboné. Mais effectivement, à l'arrivée, vous allez avoir essentiellement des modes électriques et vous allez avoir un peu de biomasse que vous allez pouvoir utiliser directement sous forme de carburant liquide ou de gaz en étant très sélectif sur les premiers usages que vous allez avoir. Et personnellement, les premiers biocarburants qu'on va avoir, plutôt que de les utiliser pour que les touristes suisses ou français puissent continuer d'aller à Bali, je pense que c'est plus urgent de les utiliser pour qu'on continue à avoir des tracteurs. Peut-être voilà. Ça n'est que mon avis, mais quand même. Dernière question de madame qui se trouve juste au troisième, quatrième rang, sur ma droite. Merci beaucoup. Et on terminera par cette dernière question. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation, c'était passionnant. Il me semble que dans les graphiques que vous avez présentés à la fin, ça annonce une décroissance forcée. Comment est-ce qu'on peut collectivement et individuellement se préparer à ça? En y passant beaucoup de temps et en donnant beaucoup de prilatis pour des gens qui proposent des méthodes pertinentes pour s'attaquer au problème. Non, je suis très sérieux. Aujourd'hui, en économie, vous n'avez pas ou quasiment pas de travail académique qui est comment est-ce qu'on gère la société dans un contexte dans lequel ce n'est pas la croissance qu'on a, mais c'est la décroissance. Comment je gère les retraites? Comment je gère les recettes fiscales de l'État de Genève ou de la ville de Genève? Comment est-ce que je gère le système éducatif? Comment est-ce que je gère la répartition des revenus? Tous ces trucs-là, personne ne s'y intéresse, parce que de toute façon, on a présupposé depuis le début de l'économie classique que c'était une question qui n'existait pas.
Et à mon avis, la boîte à outils qui sortirait de ces réflexions sera d'une importance cruciale pour ce qui nous attend vraiment. Alors, économiquement, on peut très bien s'imaginer qu'on va avoir de la croissance verte. Ça ne pose pas de problème, il suffit de supprimer la notion d'inflation. Donc si vous supprimez l'inflation, on peut avoir autant de croissance verte qu'on veut, ce n'est pas un problème. D'une année sur l'autre, une table vaut deux fois plus cher, mais en fait, vous ne l'avez pas faite exactement pareil, donc ce n'est pas grave, ce n'est pas de l'inflation. Voilà. Vous pouvez très bien avoir de moins en moins de tables et de plus en plus de PIB des tables avec ce genre de convention. Mais la réalité physique, c'est que vous aurez de moins en moins de tables. Donc la réalité physique, c'est quand même que le pouvoir d'achat va baisser dans le monde en moyenne, à un moment. C'est déjà le cas, incidemment, en France. En France, le revenu disponible des ménages est à la baisse depuis 2010. Et si chez vous, ce n'est pas le cas, pardon d'être désagréable, c'est parce que vous captez une partie de la richesse ailleurs dans le monde de façon croissante. Désolé d'être désagréable, mais c'est la réalité. De même que si les hauts revenus dont je fais partie en France augmentent, c'est parce que les inégalités s'accroissent. Ce n'est pas parce qu'il y a plus d'argent pour tout le monde. Donc la réflexion, donc en fait, il n'y a pas d'autre moyen de répondre à votre question que d'y mettre beaucoup de jus de cerveau et de manière urgente. Beaucoup de jus de cerveau et d'une manière urgente. Donc c'est très désagréable. On parlait tout à l'heure de la reconfiguration de la recherche. En économie, voilà une piste évidente. En sociologie, voilà une piste évidente. Comment est-ce que je fais pour gérer harmonieusement un monde avec moins ? D'accord ? Et pour éviter qu'on se tape dessus. Tous ces sujets-là sont pour moi d'importance cruciale. Et aujourd'hui, alors, ils commencent à être un peu explorés par des institutions non académiques. Au SHIFT, c'est un peu la voie qu'on a choisi d'explorer, au SHIFT Project, hein. Mais on n'est pas une institution académique, on ne publie pas dans des revues, à comité de lecture, donc on n'existe pas. Enfin, on existe un peu, mais on n'existe pas. Mais je pense que c'est vraiment urgent que le monde académique s'en empare et que, d'une manière générale, et le monde économique s'en empare. C'est-à-dire, si vraiment c'est ça qui nous attend, comment est-ce qu'on s'organise ? Et selon que vous fabriquez de la peinture ou des arbalètes pour les remontées mécaniques, évidemment, la réponse ne sera pas la même. Donc chacun, dans sa chacunière, doit s'emparer de ce problème et commencer à y réfléchir. Une bonne conclusion, je pense, pour ce débat, cette discussion, cette conférence de ce soir. On a ici, à l'Université de Genève, dans toutes les universités, la capacité, effectivement, de faire face à ces responsabilités. Je vous remercie de l'avoir mis très clairement en évidence. Vous ne nous avez en tout cas pas anesthésié, M. Iancovici. Je vous remercie et je souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous aux prochaines conférences. Merci.